passo por esses águas generais. Pra cuidar de uma cor, um pouco do sul desaba do que tem. Pra te dar de uma cor, calado como um canal. Pra te dar de uma cor, o ferro calado como um canal. Bonsoir la brisaille, bonsoir vous, bonsoir Joachim. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mireille Samba, bonsoir tout le monde. Bonsoir Abdel, Abdel Toto, Placido Nessa, le roi de la salle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Thank you.
ça d'anima c'est beau. Bonsoir à tout le monde. On va commencer dans une minute. Parce que c'est un jour ordinaire et que demain les gens vont travailler. On n'est pas au PCT où les gens sont fainéants. Donc bonjour, plutôt bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. Moi je fais ce direct pour parler de la justice au Congo-Brazzaville. Bonsoir Dani Bounzeki. Bonsoir Patricia Debatello. La justice au Congo-Brazzaville. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une Afrique qui avance. Quand je regarde le procès au Mali, en Guinée-Conakry, c'est des jeunes juges, c'est des jeunes magistrats, c'est des jeunes avocats, c'est des accusés qui sont pas, comment on appelle ça, qui sont libres de s'exprimer, c'est des témoins qui ne sont pas menacés. C'est un pays africain, mais on sent que ils sont en train de progresser sur les notions de la justice. Il y a on sent qu'il y a, les gens veulent avancer. En tout cas, on n'a pas vu des vieux au niveau des magistrats. C'est des jeunes gens qui viennent de sortir des écoles. C'est des jeunes gens qui ont le savoir aussi parce que par rapport aux plaidoiries, on sent que c'est des jeunes gens qui ont le savoir. Maintenant, moi, je parle de la justice au Congo, Brazzaville. J'ai vu ça. Avant que je parle de Dabira, je vais vous dire ça. J'ai vu ça, je ne sais pas tout le monde, si tout le monde a vu, mais moi j'ai vu ça. Je vais vous montrer. Excusez-moi, une seconde. Vous avez tous vu ça. Hein? Vous voyez ça? On a vu ça. J'ai une caméra en haut. Là. Ma maison est trop faite de caméras. Donc celui qui vient dans mes bois, m'agresser ici, il sera filmé. Faut prendre ça, les témoignages. Comme un moyen pour quelqu'un.
Bon, blablabla, blablabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le procureur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Je sais pas si vous avez tous vu ça. Bon, ça c'est le procureur de la République au Congo-Kala, du Congo-Brazzaville, qui exhibe un présumé innocent. Je dis, c'est un pédophile. C'est le directeur de Nganga-Edouard, le lycée qui se trouve vers l'école des cadets au centre-ville, qui est accusé de pédophilie, d'attouchement sur les mineurs. C'est devenu un fléau au Congo-Brazzaville, des vieux qui abusent des enfants. En politique, ils existent. Et comme je dis, quand la tête ne fonctionne pas, tout le corps ne fonctionne pas aussi. Si les pédophiles sont au gouvernement, c'est normal qu'il y ait des pédophiles aussi dans la basse classe. Ça, c'est un enseignant, c'est le directeur d'une école, d'un collège Nganga-Edouard, qui abuse, soi-disant qui abuse des enfants, parce que je ne suis pas procureur, je ne suis pas enquêteur, qui abuse des enfants de son école, qui est emmené au tribunal. Vous savez, nous allons parler, parce que le Congo, je dis, c'est un pays à 80% catholique. Donc, nous aimons ce livre-là. Si nous aimons ce livre-là, c'est que nous aimons la justice aussi. Parce que dans ce livre-là, c'est ce qu'on nous recommande, d'être des gens justes. Moi, je lis la Bible parce que c'est un livre où j'apprends beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup aussi sur l'humanité, beaucoup sur l'être humain. Pas seulement spirituellement, mais d'apprendre. La Bible nous dit tout ce que les hommes d'avant faisaient et qui sont semblables aux actes de maintenant. Il n'y a pas beaucoup de changements entre les gens d'avant et maintenant les agissements. Les femmes, le crime, la cupidité, l'amour aussi, le courage aussi, la bravoure. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous enseignent beaucoup de choses. Donc je lis la Bible pas parce que je suis croyant, non. Parce qu'il faut apprendre toujours, on apprend tout le temps. Et la Bible, c'est la justice. Donc, je n'ai pas envie de dire que ce gars-là, c'est un pédophile. Parce que ce que je remarque, l'enquête a été bâclée. Je pense que le monsieur a été accusé où il a fait un geste malveillant envers une jeune fille de 14 ans, où il a tendance à être un peu trop regardant sur les enfants du collège, et il est accusé. Mais je pense que quand on accuse un homme comme ça, qui est un directeur de l'école, il faut lui permettre au moins d'avoir un avocat. Je n'ai jamais compris pourquoi vous parlez justice tant que quand les accusés ne sont même pas accompagnés d'un avocat. C'est pas normal. Si vous l'accusez de vol ou, je sais pas moi, de viol sur le mineur, permettez-lui d'avoir au moins un avocat qui doit les sécuriser. Il se peut que au Congo, tout le monde ment. Les enfants mentent. Les jeunes mentent, les vieux mentent. Au Congo, c'est une habitude maintenant de mentir. Je n'ai jamais vu un Congolais qui ne ment pas. Tous, ils mentent. Ici, en France, quand on se balade et on voit des enfants, vous leur posez des questions, ils vous disent la vérité. Mais chez nous, tout le monde ment. C'est devenu une habitude. C'est-à-dire, c'est né après la guerre de 97, là. Les gens sont devenus déréglés. Tout le monde ment, tout le monde s'invente des vies, tout le monde... Tout le monde est dans l'irrationnel. Bon, vous avez arrêté un directeur de l'école. Soi-disant, il voulait violer. Je ne dis pas qu'il n'est pas violeur. Je ne suis pas juge, je n'ai pas été là-bas, je ne suis pas témoin. Comme vous voulez, j'appelle les chrétiens à la conscience. Comme c'est interdit d'accuser quelqu'un injustement, moi je prends des réserves par rapport à cette justice qui exhibe des gens comme ça. Ce monsieur, s'il a fait des attouchements sur le mineur,
Mais vous ne devez pas l'humilier comme ça. Et le procureur lui demande, alors c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il y a des caméras, il y a des policiers, il y a tout le monde. Il va dire oui, parce que vous allez le chiroter après. Il lui pose des questions. Est-ce que tu crois que les enfants mentent? Monsieur Okungagala, tout le monde ment au Congo, Brazzaville. Il ne faut pas donner carte blanche aux enfants. Si c'est les enfants qu'on voit s'exhiber à la télé, là, devant les caméras montrer leurs sous-vêtements, là, tous ces enfants qui sont élevés à la musique zaïroise, là où on monte les civils, où on monte des sous-vêtements, où on bouge les fesses à chaque instant, ces enfants-là mentent. Beaucoup d'entre eux mentent parce que vous les avez éduqués comme ça. Si les enfants, matin, midi et soir, sont élevés à la musique zaïroise, au ndombolo, au, je sais pas moi, au mpocha, ou je sais pas, mouchota, ou quoi, là, vous croyez que ces enfants-là peuvent dire la vérité? Dans ce cas, il faut permettre aux accusés d'avoir un avocat. Il faut leur mettre dans des conditions où ils peuvent se défendre correctement. Pas dans les intimidations. Ce que vous avez fait, quand je vois cette vidéo, c'est la même vidéo que vous avez fait de Paulin Makaya. C'est pareil, il n'y a pas de vérité là-dedans. Il faut être borné pour accepter ces conneries-là. Ça, c'est l'exhibition pour nous faire passer le temps, pour qu'on puisse regarder sérieusement ce qui se passe. C'est une façon de noyer la vérité. Même si cet homme-là a eu un comportement déplacé, quand je vois les images, c'est un homme perdu. Il est coincé, c'est-à-dire on l'a mis là devant, il ne peut rien faire. Et ça, dans quelle république où un procureur, bonsoir Mathilde Madjingou, dans quelle république où on emmène un accusé devant le procureur et on l'exhibe comme ça? L'accusé est reçu devant un procureur, lui le chef d'accusation, et puis on décide si c'est coupable ou non coupable. Pourquoi l'exhiber et entendre des témoins devant un procureur? Ça, c'est quelle confrontation? C'est où vous avez fait le droit, vous? Ça, c'est quelle justice, ça? Le Congo ne va jamais se développer avec ces gens-là. Vous croyez que si vous nous montrez ça, moi, vous allez me montrer une vidéo pareille et je vais penser que ça, c'est une justice? Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est du théâtre que vous faites, là. Vous allez abîmer la vie de cet homme-là. Il se peut, je dis bien, il se peut qu'il a eu des atouts, il a eu un comportement déplacé. Mais il se peut, j'ai bien dit. Mais ce que je vois là, c'est pas... C'est juste la vie d'un homme que vous allez détruire. Sans lui donner la chance de se défendre. Il faut chercher la vérité. C'est pas les médias qu'on veut, c'est pas l'exhibition qu'on veut. On veut la vérité. La vérité, on la cherche pas comme ça. Ça devient comme la télé-réalité. Bien sûr. Depuis quand Okungagala, on ne le connaît pas dans la vérité. Lui-même, il ment matin, midi et soir. Là, la police est incolore et inodore, ce qu'il avait dit. Mais on a remarqué quelque temps après, la police était truffée de voleurs, de bandits, de braqueurs. Donc, c'est un procureur qui ment depuis que la dictature est au pouvoir et qui continue à chercher la vérité dans le mensonge. Monsieur Okungagala, il faut être idiot pour accepter ça. Et c'est honteux parce que ça, c'est un Congolais que vous allez détruire. Et c'est honteux parce que ces enfants que vous exhibez là, ils seront obligés, les élèves là, ils seront obligés de mentir. Parce qu'il y a des caméras. Ils seront obligés de mentir parce que, une fois, en mentant, bon, je dis ils parce que c'est des élèves, hein, normalement c'est des filles. En mentant, elles savent que la justice, on leur donnera de l'argent. Et ce monsieur qui est marié, qui a 4 gosses, sa vie sera finie. C'est quelle justice vous voulez, monsieur Ngakala? C'est pas une justice, ça. Vous êtes en train de détruire un homme qui a un physique déjà ingrat, ça montre que c'est un gars qui est mal payé.
le pauvre, il n'est pas très... Physiquement, il est fatigué. Mais quand vous vous attaquez à ce monsieur-là, quand les Aïwa vous ont accusé les membres du gouvernement et les hommes riches du Congo-Brazzaville d'abuser des mineurs aïroises, pourquoi vous n'avez pas diligenté une enquête? C'est bien passé, le gouvernement aïroise vous a exhibé à la télé en disant que des jeunes filles, des jeunes mineurs aïroises partaient au Congo-Brazzaville pour se livrer à des vieux qui abusait de ses enfants. Mais pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête? Parce que ces gens-là étaient en politique. Parce que ces gens-là étaient riches. Voilà, donc la pédophilie, ce n'est pas une histoire de ce que vous nous montrez là, en disant que nous sommes en train de protéger les mineurs. Ce que vous faites, c'est que vous voulez faire du cinéma, vous voulez nous embrouiller après le couvre-feu, vous nous montrez ça, vous balancez sur les réseaux sociaux. Un homme qui n'a pas d'avocat, vous croyez que moi je crois à ces bêtises-là? Vous croyez que moi, ma conscience va condamner quelqu'un dans les prisons inhumaines du Congo-Brazzaville sans que j'aie tous les éléments palpables? Vous croyez que moi, je vais me réjouir à une mascarade de justice? Monsieur Okungakala, il faut changer. Je ne sais pas comment vous faites pour dormir. Je ne sais pas franchement comment vous faites pour manger à table avec vos enfants. Je ne sais pas comment vous faites quand vous vous regardez dans le miroir. Je ne sais pas comment vous arrivez à dormir sans prendre des comprimés, mais ce que vous faites au Congo, ce que vous faites dans vos prisons là-bas, tous les gens que vous envoyez injustement en prison, parce que vous voulez paraître devant les médias, parce que vous voulez faire le buzz, c'est vraiment malheureux pour votre âge. J'espère qu'avant votre mort, vous verrez ce qu'on appelle la justice. J'espère qu'un jour, on vous jugera par une vraie justice. Comme ça, vous saurez ce qu'on appelle le droit, ce qu'on appelle la justice, ce qu'on appelle l'équité. Parce que ce qu'on voit là, c'est un monsieur qui aime les caméras, qui veut s'exhiber, qui veut rendre justice à tout prix. La justice ne rend pas par une seule personne. Tu ne peux pas te lever comme ça, décider que cet homme-là, parce qu'on a dit que c'est un violeur, que c'est un violeur. Les apparences sont trompeuses, ça vous devez le savoir au moins. Il y a des choses qui paraissent vraies, mais qui ne sont pas réellement ce que nous pensons. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine. Alors c'est pas parce que vous allez montrer un homme qui est fatigué, qui a un physique ingrat déjà. C'est le... Vous êtes comme vous avec vous vous comportez déjà ça. Vous se comporte comme ça. Ce sont tes enfants, non? C'est des mineurs, ce sont tes enfants. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu es malade? Non, mais pourquoi vous le faites? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Mais pourquoi vous l'avez fait? Mais si on le faisait à des enfants? Mais vous voulez que dans ce climat-là, qu'ils disent quoi? Qu'ils vous disent que je ne l'ai pas fait? Il y a les policiers, les caméras, vous l'avez sûrement tapé, il n'a pas de chaussures. Il n'est même pas respecté. Ici, en France, quand on attrape des violeurs, ils sont au moins propres. On les emmène avec leurs avocats, ils sont jugés équitablement, ils sont envoyés en prison. Fourniret, on l'a vu ici, avec des lunettes, bien taillées, la barbe bien taillée. Parce qu'on cherche la vérité. Ça, c'est le spectacle. Donc, je dis aux gens du PCT, regardez le procès qui se passe en Guinée-Conakry. C'est des jeunes magistrats. Ils lisent le droit là-bas. Et je croyais, moi, que ça se passe bien. Personne ne se plaint là-bas du tribalisme. Personne ne se plaint là-bas du régionalisme. Les gens sont en train d'appliquer la loi. Et si vous regardez ce procès, ils ont mis tous les moyens possibles pour que la vérité sorte de ce tribunal. Personne n'est brutalisé. Tout le monde est respecté. Ça, c'est la justice. Chez vous, la justice, c'est prendre quelqu'un. Ce que vous avez fait à Kembesila, c'est ce que vous reproduisez matin, midi et soir. Prendre des gens qui ont un physique à peu près ingrat, qui correspondent à ce que nous avons du mythe du bandit, du pervers, et vous l'exhibez devant la caméra pour montrer au peuple que la justice marche au Congo-Brazzaville. La justice ne marche pas au Congo-Brazzaville, sinon on ne serait pas là, non. S'il y avait la justice au Congo pour 5 millions d'habitants, il y a au moins 2 millions qui sont en exil. C'est que dans votre pays, il n'y a pas de justice.
Et vous, si vous êtes incapable de rendre justice pour des petits délits, vous croyez que c'est des grands délits comme ça qui nécessitent une certaine enquête que vous allez appliquer la justice. Vous me montrez un monsieur qui est déjà physiquement affaibli, sans chaussures, que vous accusez de viol, que moi je crois, et des victimes qui sont à côté, qui parlent en racontant à peu près la même histoire. Vous croyez que c'est ça que je vous dis la différence entre vous qui êtes là-bas au Congo-Brazzaville et nous qui voyageons. Nous, tout ce qui nous reste du voyage, nous, c'est la peau. La tête est devenue autre chose. Pour venir nous embrouiller, il faut avoir une certaine capacité d'intelligence pour venir embrouiller les gens ici. Les gens apprennent. Nous avons voyagé, nous avons compris comment fonctionne le monde. Donc ça, je suis sûr et certain que ce monsieur-là n'est pas coupable. Vous l'avez arrêté par les oui-dire. On a dit que le proviseur touche les filles. On a entendu que le proviseur enfermait une fille. Il y a une personne qui veut la place de ce monsieur qui a monté tous les dossiers, qui vous l'a livré et vous êtes allé l'arrêter. C'est une mascarade de justice. C'est ce que vous avez fait avec Kembessila. C'est ce que vous avez fait avec Paulin Makaya. C'est ce que vous avez fait avec Okombi Salissa. Je ne défends pas Okombi Salissa, mais je dis ce que vous avez fait avec Okombi Salissa. Allez mettre les armes chez lui en disant qu'il voulait faire un coup d'État. C'est ce que vous avez fait avec Moukoko. C'est ce que vous avez fait avec Mboukadia. C'est ce que vous avez fait avec tous ceux qui sont partis en prison, avec les Mabiala qui sont morts après la sortie de la prison. C'est ce que vous faites. Et moi, je ne crois pas à cette justice. Voilà. Pourquoi je ne crois pas? Parce que je suis quelqu'un d'intelligent, parce que je suis quelqu'un qui ne crie pas avec les loups. Ce que vous faites, c'est ce que... même la justice de Ponce Pilate de la Bible est mieux que vous. Au moins, Ponce Pilate demande au peuple. Entre Jésus et Barabbas, vous voulez qui? Mais comme il savait la vérité, il a lavé les mains. Apprenez à laver les mains quand vous n'avez pas la vérité. Apprenez, faites comme Ponce Pilate. Tout le monde est catholique au Congo, Brazzaville. Vous lisez la Bible. Si vous ne voulez pas lire les livres de droit, lisez au moins la Bible. Il y a une certaine conscience là-dedans. Vous allez apprendre à être juste. Lisez la Bible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous renseigner sur la vie des êtres humains. Donc voilà. Maintenant, deuxième sujet, je vais parler de la sortie de d'Abira. J'ai vu des vidéos. Déjà, ce qui est marrant, d'Abira a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Ça, c'est quelle justice qui ne fait pas de remise de peine? Vous l'avez condamné à 5 ans d'emprisonnement. Donc au Congo, il n'y a pas la bonne conduite. Il n'y a pas de suivi quand on met quelqu'un 5 ans en prison, il doit faire les 5 ans. Vous voyez votre justice là? Quand on condamne quelqu'un à 5 ans d'emprisonnement, il y a des remises de peine. Dans toutes les justices du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Même aux États-Unis, on arrive à réduire la peine. 5 ans, vous allez faire peut-être 3 ans ou 4 ans et vous sortez. C'est comme ça que ça se passe partout. Vous comprenez? Vous avez condamné Dabira à 5 ans. Il a fait 5 ans. Donc Dabira, même en prison, se comportait mal. C'est pas une justice, monsieur. Au Congo-Kala, c'est pas la justice. Là. Donc c'est juste une justice de vengeance. Nous avons fini la guerre en 97. Mais vous êtes resté avec la même mentalité de la guerre. Nous sommes au pouvoir, nous avons conquis le pouvoir, tous ceux qui vont se mettre entre nous, tous ceux qui veulent le pouvoir, tous ceux qui veulent la démocratie, finiront dans la justice. Maintenant, j'ai lu aussi sur Internet, il y en a qui étaient contents de Dabira. Ah, Dabira est sorti. J'ai même lu quelqu'un qui a écrit, Sassou Nguesso prépare Dabira pour être président du Congo. Dabira a ceci. Dabira viendra en France, il sera reçu par l'Elysée. C'est des conneries. Moi, quand je rentre à l'école des cadets, Dabira était général. J'avais 11 ans, Dabira était général. Dabira, s'il y a des gens, il y a des Congolais chanceux dans ce pays-là, Dabira c'est le premier. Dabira n'a rien foutu de sa vie. C'est pas un intellectuel, c'est un bourricot. Sassou Nguesso a pris Dabira, il a plombé. Dabira n'avait même pas encore 26 ans, il était déjà général au Congo-Brazzaville. Toute sa vie, il n'arrive. Moukoko,
lui et Moukoko, il y a une grande différence. Le parcours de Moukoko, vous le mettez dans tous les pays du monde, il sera général. Ou il sera intellectuel. Moukoko, c'est un intellectuel. Au sens propre du mot intellectuel. Dans tous les pays du monde, je dis bien, vous prenez le cursus de Moukoko, vous le mettez en France, il sera un cadre militaire. Vous le mettez en Jamaïque, il sera un cadre militaire. Vous le mettez aux États-Unis, il sera un cadre militaire. Mais Dabila, ce n'est pas le cas. Dabila, c'est un prototype qu'on a fabriqué, ce qu'on appelait nous Yata Noki Noki. Moi, je suis à l'école des cadets à 11 ans, étudiant général. Je crois qu'il était dans, chef de propagande dans l'armée au courant. Dabila venait à l'école des cadets, moi, j'étais petit. Et quand vous voyez le procès de Dabila, là, vous trouvez que cet homme-là est intelligent pour le mettre président du Congo? Donc quand je dis qu'on l'a sorti, mais si lui il devient président du Congo, c'est que le pays est foutu. Moi, j'enlève le passeport congolais, je le déchire. Je ne serai plus jamais congolais. Dabila, un homme qui ne connaît même pas le nombre des enfants qu'il a. On lui pose la question, tu as combien d'enfants? Il compte. Il ne sait pas combien d'enfants il a. Combien de femmes? Il ne sait même pas combien de femmes. Et vous êtes content de voir cet homme-là sorti de prison. Cet homme-là a eu la chance qu'aucun Congolais n'a eu dans ce pays-là. Je vous dis la vérité. Cet homme-là a eu une sacrée chance par M. Sassou Nguesso pour arriver là où il est. Dans tous les pays du monde, là, cet homme-là n'aurait même pas eu un kiosque. Si c'était en France ici, il aurait été SDF. Il serait même incapable de payer son loyer. C'est un homme qui a eu la chance qu'on a bombardé. On a donné tous les galons possibles sans faire un effort. Qu'il sorte de prison, qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais si, quand je vois les gens écrire, vous croyez que si tu es reçu à l'Élysée, j'ai cette haine avec des Congolais qui habitent en France. Nous combattons pour l'indépendance de notre pays, nous combattons pour la liberté en Afrique, mais ces gens-là sont tellement complexés. Quand on reçoit quelqu'un à l'Élysée, pour eux, c'est fait. Vous êtes complexe. Si vous pensez que c'est l'Élysée qui doit faire votre pouvoir, bah arrêtez d'être des hommes politiques. Arrêtez de réfléchir. Il sera réussi à l'Élysée. Il va venir en France. Vous croyez que donc, si l'Élysée reçoit quelqu'un, donc nous, on doit se taire, on doit obéir. Mais pourquoi faites la politique alors? Quand je vois ça, des gens, des hommes politiques écrire des conneries comme ça, faire des synthèses comme ça, moi, c'est pas parce que quelqu'un est reçu à l'Élysée que je dois le considérer comme président du Congo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que quelqu'un aille à l'Élysée? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je ne connais même pas là où se trouve l'Élysée. Je ne cherche même pas à savoir là où se trouve. Parce que ça ne me dit rien. C'est des monuments, c'est des maisons que je ne veux même pas voir de ma vie. Je n'ai même pas envie d'aller m'asseoir là-bas. Vu mon histoire, vu l'histoire de mon pays, vu l'histoire de la France-Afrique, c'est des coins qui ne m'attirent pas. Il sera à l'Élysée et on va le mettre président du Congo. Ah, vous croyez que c'est facile comme ça? Lui, si on le met président du Congo, là, le Congo, c'est encore un État très, très pauvre. Il va nous proposer quoi? Dabila, il a quoi? Il a fait quoi de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout l'argent qu'il a eu, là, c'est l'argent volé. C'est ça le problème de nous, les Congolais, c'est l'émotion. Nous sommes des gens passionnés. Je serais certain qu'on soit incapable de rendre justice dans ce pays-là. Moi, là où je suis, là, je peux couper la tête des gens. Dans ce pays-là. Parce que je n'ai pas d'état d'âme, moi. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle d'état d'âme. Même dans mes rapports avec les humains, c'est comme ça que je fonctionne. Quand tu ne tiens pas parole, je te zappe. Il y a des gens ici qui savent. Quand tu passes ton temps à mentir, tu veux m'emmener en bateau, tu n'es pas un homme qui tient parole, tu dis tout et n'importe quoi, je te zappe. Je ne perds pas mon temps. Je ne suis pas venu pour faire des arrangements avec les gens. Tu dis oui, c'est oui. Tu dis non, c'est bon, on avance. Vous êtes capable qu'on attrape quelqu'un qui a volé des milliards. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si on attrape un homme qui a volé des milliards au Congo-Brazzaville, on le juge, vous êtes le premier à vous dire non, il ne faut pas le juger, il faut le pardonner. Vous pardonnez tellement des gens à tel point que les mêmes gens font les mêmes erreurs. Ils commettent encore des crimes plus graves qu'avant. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas capable de rendre justice. Nous sommes en France. Ici, en France, quand vous lisez l'histoire de la France, il y a beaucoup de gens qu'on a tués.
parce qu'ils n'ont pas tenu parole ou parce qu'ils n'ont pas obéi. Des cadres. Des cadres. Ici en France. Prenez l'histoire de France. Lisez. Nous sommes dans un pays grand, qui a une grande histoire, la France. Lisez l'histoire de France. C'est beau l'histoire de France quand vous lisez. Regardez, lisez même le chevalier Saint-Mars. Lisez même Saint-Marthe, l'histoire de Saint-Marthe, un jeune officier français que Richelieu a tué. Il y a même des reines qu'on a coupé la tête en Europe ici. Des reines qui ont fait... voyez la reine Victoria, sa mère, on l'a coupé la tête. Ici, on est dans... C'est comme ça l'histoire fonctionne. Quand vous faussez... Je vous ai toujours dit... comment on l'appelle? Pétain était le héros de la France de la Première Guerre mondiale. Pétain... À la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fini sa vie en prison. Il ne faut pas avoir les états d'âme sur les bandits. Si vous passez votre temps à grasser les gens qui vous font du mal, ils referont la même chose. Demain, si on arrête au Congo-Kala, qu'on l'accuse d'avoir foutu la pagaille au tribunal, vous serez les premiers à vous plaindre quand on va le mettre de mes notes. « Oh, mais il ne faut pas lui faire ça. Oh, mais c'est quand même au Congo-Kala. » C'est ça votre problème. Vous n'allez jamais évoluer si vous ne savez pas que la justice est là pour punir, pour trancher. En Amérique, regardez en Amérique comment ça se passe. Il y a de grosses peines là-bas. Regardez même tous ces narcotrafiquants-là qui ont beaucoup d'argent. Une fois que c'est tranché. Hein. Ils ont des perpétuités. Ils ne sortiront plus jamais en prison. Mais ces gens-là ont beaucoup d'argent. Et les gens s'en foutent. Par rapport aux crimes qu'ils commettent, ils n'ont pas d'état d'âme. Donc la sortie de M. Dabira en prison, non événement. Ce n'est qu'un homme, depuis son bas âge, qui a eu la chance d'être de la même ethnie que M. Sassou Nguesso et qui a profité de ce tribalisme-là qui l'a emmené au sommet de l'État. Il n'a pas fait des études dans une grande université, il a fait des études comme tout le monde des formations en Russie. Nous savons tous que tous ceux qui sont allés en Russie sont revenus avec un diplôme. Il n'y a aucune personne qui soit tchadien, centrafricain. Tous les Africains qui sont allés étudier en Russie à l'époque sont revenus avec un diplôme. Là-bas, personne n'échoue. C'est l'élevage des diplômes là-bas. Il a fait peut-être 2 ans en Russie. Il est venu, il a tout eu. Alors, arrêtez de le mettre en haut de l'affiche comme s'il méritait quelque chose. Ce n'est qu'un voleur qui est à l'origine de nos malheurs, qui n'a aucune compétence, qui est incapable même de mener une vie paisible, qui passe son temps à faire des enfants à gauche, à droite, qui ne sait même pas, qui ne connaît même pas le nom de ses enfants, qui passe son temps à draguer les femmes de ses amis, qui passe son temps à coucher les... Maintenant qu'il est sorti en prison, on entendait qu'il va encore faire des enfants. Et vous allez dire que cet homme-là va commander le Congo. Si ces gens-là commandent le Congo, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est mieux que vous fassiez une grande guerre là-bas, que vous entendez tuer, qu'il ne va plus rester personne, parce que c'est un plein pays. C'est un malfroid, c'est un ingrat. Parce que cet homme-là, sans Sassou Nguesso, il ne saurait rien. Dabira, sans Sassou Nguesso, il n'est rien. Il n'aurait été rien au Congo Brazzaville. Ça, c'est la chance d'être né à côté d'un homme président et qui les a aidés. Donc, quand vous venez écrire, surtout quand je sais que je ne vais pas citer vos noms parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, mais quand vous écrivez, réfléchissez au moins. Vous n'allez pas faire l'éloge de Dabira. Même 5 ans d'emprisonnement dans une... C'était nous qui avons rendu justice, c'était nous qui étions au pouvoir. Il aurait pris 20 ans ou 40 ans d'emprisonnement parce qu'il doit justifier tout l'argent qu'il a. Dabira peut justifier tout son argent. Il a des maisons en France. Vous savez combien coûte une maison ici? Dabira a des maisons, il a des chaînes de télé, il a travaillé où pour les avoir? Si ce n'est pas la guerre du Congolais qui les a permis à voler l'argent des Congolais pour avoir autant d'argent. Il a fait 5 ans. Au Congo, il n'y a pas de justice au Congo Brazzaville. C'est malheureux à dire, mais tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y aura jamais de développement. Tant qu'il n'y a pas la justice, nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre. Tant qu'il n'y a pas la justice dans ce pays-là, tant que vous ne faites pas un effort,
de libérer la justice, de mettre un peu d'égalité dans ce pays-là. Vous préparez juste des conflits futurs. Parce que celui qu'on exhibe dans chez Okongagala, c'est un Congolais. Il a de la famille, lui aussi. Cette famille-là aura sa version de... Si vous interrogez la famille de ce monsieur-là, vous aurez la version, une autre version. Donc, vous allez bouleverser des gens qui vont être fusés, qui vont attendre le bon moment pour se venger. Voilà pourquoi on vous dit de faire la justice. Rendez la justice, même si vous n'êtes capable de rendre la justice politique, mais rendez au moins la justice sociale. Ça sera mieux. Vous êtes incapable d'être juste en politique, soyez au moins juste dans le social. Permettez à ces Congolais d'être à l'aise devant la justice. Permettez à ces femmes-là qui se font violer au Congo-Barville de savoir que je vais porter plainte et ma plainte va aboutir. Permettez à tous nos mamans qui vendent au marché, là, à toutes les vieilles, à toutes ceux qui tapent leurs femmes la nuit, là, ou je sais pas moi, à tous ceux qui sont victimes des coupeurs de route ou des quartiers sensibles du Congo-Brazzaville, d'avoir au moins la justice à leur côté. Permettez à tous ceux qui sont dans les faubourgs de Bakongo, Makele, Kele, Telangai et tout ça, Kinkele, de compter au moins sur la justice quand dans leur environnement rien ne va. Mais si c'est pour se trouver devant Okongagala, qui fait son cinéma pour dire témoin vient parler, pourquoi tu fais ça? Et vous voulez qu'ils disent quoi? Il y a la police à côté, il n'a pas de sandales, donc il a été malmené déjà. Il n'a pas de sandales sur lui. Il y a la police, il y a les caméras, il y a la justice en face. Vous croyez que ce monsieur-là va dire c'est faux ce que les enfants disent? Il fallait l'entendre avec un avocat. Il fallait le convoquer déjà, l'entendre avec un avocat, lui signifier et faire une confrontation avec les enfants, expliquer réellement ce qui s'est passé et après le déférer à la justice. Et ça, c'est à ce moment-là, toi, tu reçois l'individu dans ton bureau avec les accusés sans caméra. À la rigueur, avec caméra, mais lui, l'accusé, les accusés, les victimes et ses avocats, à lui, qui ont le dossier complet, qui doivent vous aider, vous, en tant que magistrat ou en tant que procureur de la République. Non, monsieur le procureur, regardez, là, il y a un flou, là, il y a un flou, il y a un flou, on veut une caution. C'est pas un homme dangereux, il peut pas aller en prison, c'est un père de famille, on va payer une caution pour qu'il soit dehors et il viendra au jour du procès. C'est ça la justice, monsieur Ngakala. C'est pas compliqué la justice. Il faut que le son sonne de deux oreilles. Pour que lire c'est ça la justice, monsieur Ngakala. Le son doit sortir de là et là. Avant de dire des conneries. Voilà, c'est malheureux, j'avais que ça à dire aujourd'hui. C'est malheureux. Je pense que tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo, ne condamnez pas d'abord ce monsieur. Parce que si vous êtes des croyants, vous allez commettre un péché pour rien. Ne condamnez pas ce monsieur directement parce qu'on vous a montré ces images-là. Essayez de prendre beaucoup de recul. Ne faites pas confiance à monsieur Okongagala parce qu'il nous a toujours menti. Il aime bien le spectacle. Je pense que ce gars-là aurait fait le théâtre. Donc prenez beaucoup de gars pour ne pas avoir un esprit de péché. Prenez votre temps. Regardez ce qui va se passer. D'abord, il n'y aura pas la vérité parce que tout est flou là-bas. Mais ne cautionnez pas ça. N'accusez pas ce monsieur. Il se peut, je dis bien, qu'il a tripoté un enfant de 14 ans. Il se peut qu'il n'a pas fait aussi. Mais les enfants au Congo-Brazzaville qui ont 14 ans, si c'est le Congo de maintenant là où je vois les enfants s'exhiber matin, midi et soir sur les écrans en train de bouger leurs fesses, en train de danser les mots pacho, en train de chanter les chansons des Aïrois qui parlent sexe matin, midi et soir, ces enfants sont devenus des menteurs. Des filles des menteuses, des garçons des menteurs. Parce que notre pays, le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, la vérité n'existe pas. Les gens sont buveurs d'alcool, les gens sont buveurs de chanvre, fumeurs de chanvre plutôt, les gens sont devenus des vagabonds, les gens sont devenus des tribalistes, les gens sont devenus des ignares qu'on a balancés dans une république de 342 000 km², qui ne savent pas quoi faire. Donc aujourd'hui, arrêtons d'être... Ne tombons pas dans le piège de Okongagala parce qu'il a toujours fait ça.
Il a exhibé Poné Makaya en disant qu'il avait donné des armes, je sais pas, en prison, qu'il voulait fuir la prison, machin, mais des soirs. Il a fait tout un cinéma sur Poné Makaya, ce qui était faux. Et ça leur a permis d'ajouter encore 2 ans de plus sur la peine de Poné Makaya pour bien le punir. Donc ce monsieur-là, nous connaissons sa méthode. Moi, je n'accepte pas ce genre de tribunal et je n'accepte pas ce genre d'exhibition parce que ça ne noie pas notre pays et c'est un Congolais, ce monsieur. Et je pense que entre nous, Congolais, nous devons être le langage de vérité, de justice et de paix. Et ça, ce n'est pas le cas. C'est le contraire de ce que je pense. Donc, j'ai dit non. Et je pense que tous ceux qui ont cette vidéo vont prendre du recul avant de traiter ce monsieur de tous les noms d'oiseaux ou de quoi que ce soit comme je vois sur Internet. Ne tombons pas sur ces pièges-là, mes chers amis. Soyez des croyants. Évitez ce genre d'accusation parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu, c'est la justice. Parce que Dieu, c'est l'équité. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vous souhaite un bon jeudi pour demain. Et que pour les croyants, que Dieu vous accompagne dans votre quête de justice. Et pour nous qui croyons à la science, à la vie, que le bon sens soit toujours avec nous, afin que la paix règne au Congo-Brazzaville, afin que la justice soit, et afin que la démocratie soit, et la transparence aussi. Merci beaucoup.